Bien, salut à tous et à toutes, c'est Irazor et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's play sur The Legend of Zelda Ocarina of Time. Donc je fais sur Nintendo 64 comme vous pouvez le voir, car c'est ce qui m'arrange le mieux, donc le langage français. Donc bien sûr c'est sur un émulateur, comme tout bon joueur. Je vais mettre Link. Enfin, fichier. Vous êtes prêts à commencer? Oui. Dans l'immense forêt d'Hyrule, les siècles m'ont choisi comme le gardien spirituel des bois. Je suis l'arbre Mojo. Les Kokiri, ce sont mes enfants. Ils sont le peuple de la forêt. Dès la naissance, chaque Kokiri reçoit sa fée. Mais seul un jeune garçon n'avait pas de fée. Il a froid. Chut. Ganondorf. Donc je sais pas si vous m'entendrez très bien. Oh, du moins j'espère. Navi, Navi, où es-tu? Viens à moi. Navi, la fée, écoute mes paroles. Les paroles du très vénérable arbre Mojo. Sens-tu le danger qui rôde? Cette aura ténébreuse qui s'abat sur le royaume. Des forces maléfiques s'activent dans l'ombre et préparent l'invasion d'Hyrule. Depuis toujours, la forêt Kokiri s'élève comme un rempart contre les forêts chaotiques, assurant le maintien de l'ordre et de la loi. Mais face à ce pouvoir terrifiant et infernal, mes forces ne sont que misère. Le temps est venu pour ce garçon sans fée de commencer son périple. Cet enfant dont le destiné est de conduire Hyrule sur la voie de la justice et de la vérité. Va, Navi, trouve notre jeune homme et présente-le devant moi. Il ne me reste que peu de temps. Vole, Navi, vole. Le destin de la forêt, que dis-je, du monde dépend de toi. Voilà, nous sommes dans la vue de Navi. Hello. Hello. Hey. Hey. Où est-ce qu'il peut bien être? Là-bas. Ouch. Fou, pas grave, allez, on y retourne. Hey Link, debout, maintenant. Le très vénérable arbre Mojo veut te parler. Réveille-toi, Link. Oh, tu vas te lever, oui. La destinée du Wii repose-t-elle sur un garçon aussi paresseux?
Ah, enfin, moi, c'est Navy, la fée. Toi, vénérable âme Mojo m'a désigné pour être ta partenaire. J'en suis très honoré. Le très vénérable Abel Mojo veut te parler. Allons-y tout de suite. Pourquoi j'ai fait cette voix? Je sais pas. Donc voilà l'interface. Allons cours. Logiquement. Ouais, c'est bien fait. Regarde. Hip. Alors, je suis pour faire une roulade, mais je reste debout. Forêt Kokiri. Attendez, moi je coupe le son 3 secondes. Ah non, c'est bon, ça coupe pas. C'est juste pour que je me mette le temps devant les yeux. Voilà. Hey, salut Link. Attendez, je vais me mettre en ne pas occupé. Oui, je fais plein de trucs moi. Voilà. Bon, descendre. Hein. Waouh, une fée. Enfin, tu as une fée, Link. Yippie. Quelle bonne nouvelle, j'en suis si heureuse. Tu es maintenant un vrai Kokiri, Link. Alors, c'est vrai? Le très vénérable arbre Mojo t'a convoqué? C'est un véritable honneur d'être convoqué par le vénérable arbre Mojo, tu sais? Je vais t'attendre ici. Va voir le vénérable arbre Mojo. Dedans il doit y en avoir encore, non? Donc je pense que tout le monde connaît l'histoire. Il y a Navy qui veut nous parler, on lui parlera après. 3 secondes Navy. Je vais essayer, vous saurez pourquoi. Le très vénérable arbre Mojo veut te parler. Suis-moi vite. D'abord, je me suis moi. Pas ici. Vous trouvez l'épée Kokiri, activez l'écran de l'équipement, sélectionnez là, puis équipez-la avec cette lame et le trésor secret de la tribu Kokiri. N'hésite pas à vous entraîner avant de croiser le fer. Donc voilà, on va l'équiper. Non, on va pas encore sauvegarder. Merde. Il vient de passer. Allez. Et logiquement du coup. Oh. Donc si vous connaissez l'histoire maintenant, vous devrez savoir de quoi qu'il nous faut. Ah, petit lag, désolé. De quoi qu'il nous faut la... Que maintenant qu'on a l'épée. Je saurais pourquoi... Je saurais pourquoi après, donc non. Avec le move stylé, moi j'aime bien dire que c'est stylé le move. On pouvait couper. Ah ouais, c'est classe. Attention. J'aime pas. Ah ouais, on peut gagner. Ok, oh j'ai compris comment gagner. Du coup, logiquement, si je repasse celui-là... Non, c'est pas en cassant ça que je... Non, pas lui.
Il ne peut rien me donner. Voilà. Il étudie sur ça, on va pas le déranger, le pauvre. Allez, là, moi j'ai toujours trouvé que cette partie était galère pour rechercher. Parce qu'en fait, là, c'est super galère de ne pas courir. C'est bon. Croyez quoi? Attendez. Voilà. Non. Attendez, j'en vais au terme logiquement. Voilà. Attends, il veut nous parler. Voilà. A devant une pierre. Et en, tu la sou- je la soulève. A devant une pierre. Et ya. Je la soulève. Fou. Cette espèce de mido m'a obligé à ramasser toutes les pierres devant chez lui. Non. Bon, on va essayer de voir si on peut lui casser. Mido. C'est qui Mido? Attends, ça c'est doit être Mido. Des coffres. Rubé vert. C'est quoi? On est des pillards, on vole. Personne lui dira, j'espère. Et il nous en manque plus que 10. Un cœur de vif. Ça me servait totalement à rien. Émeraude. Attendez, moi vu que je suis gentil. Putain. Allez, vas-y. Et lui, je l'avais vu tout à l'heure. Plus que deux. Hey, ces deux-là. Non. Ouais. Non. Non, il nous remercie pas, bah le méchant. Bon allez. On va aller chercher le dernier. Non. J'ai les 40 mais je vais aller chercher le 5. On va encore faire gaffe. Parler. Hihihihi. Tu es arrivé jusqu'ici tout seul. Comme un grand. Tu es un homme, un vrai de vrai. Et ouais. Regarde, belle vue, non? Tu peux changer ton angle de vue avec haut et ainsi admirer la forêt. Avec le truc.
Je sais. Voilà, j'ai fait un haut tour. Et on saute. Donc voilà, on va utiliser nos 40 rubis. Rubis. Salut Link, regarde par là, regarde-moi avec Z et parle-moi avec A. Bravo, voilà comment s'utilise une fée. C'est vraiment chouette d'en avoir une, hein. Je vais t'apprendre à parler aux gens avec ta fée. Quand une fée vole autour de quelqu'un, utilise Z pour regarder dans sa direction. Utilise la visée Z pour parler aux gens de loin, un peu comme nous sommes en train de faire. Et si tu n'as rien à cibler, appuie sur Z pour regarder devant toi. Ok. Merci pour l'info, mais moi... Bienvenue. Voilà, bouclier. Vous obtenez un bouclier Mojo. Sélectionnez ce bouclier à l'écran de l'équipement. Ouais. Appuyez sur R pour vous accroupir. Et pour vous protéger sur R en maintenant Z pour vous passer. Désirez-vous acheter autre chose? Vous voulez regarder ce qu'il y a d'autre? Non. C'est cher. 30 roupies, ouais. Non. Voilà, du coup. On sauvegarde pas encore. Du coup, regardez ça. Attendez, on va sortir de l'eau. On se protège. Et d'un coup... Non, je sais pas comment on fait. Voilà, du coup, non, on va se déplacer de l'autre côté. Et on va aller voir le vénérable arbre Mojo. Ou tout en faisant le cascadeur. Bon, non, il veut pas. Et là, vous allez me dire, si vous ne connaissez pas, oui, mais pourquoi tu as acheté le bouclier et t'es allé chercher l'épée? Si tu veux voir le vénérable arbre Mojo, il te faut d'abord une épée et un bouclier. C'est quoi ça? Oh, tu as un bouclier Mojo. Et puis, c'est quoi? Mais c'est l'épée Kokri. Bien, ça alors. Enfin, même avec tout ça, une mauviette est toujours une mauviette, hein? Moi, le grand Mido, je ne t'accepterai jamais comme l'un des nôtres. Donc c'est lui, Mido. Et puis d'abord, comment t'as fait pour être le chouchou de Saria et du vénérable arbre Mojo? Sois pas joli, mec. Attention. Vous obtenez un bâton Mojo, assignez-le sur... Ouais, dans l'inventaire. Utilisez C pour donner des grands coups. Restez immobile et appuyez sur A pour ranger votre bâton. Vous ne pourrez transporter que 10 bâtons. Ah, Nevi. Mojo Baba, son seul contact te fera souffrir. Et voilà. Ah, derrière ça a repoussé, d'accord. Vénérable arbre Mojo, je suis de retour. Bien sûr, là je parle de Nevi en fait. Je fais des voix pour n'importe qui. Oh, Nevi, enfin, te voici. Link, sois le bienvenu. Écoute bien, jeune enfant. Moi, l'arbre Mojo, de par mes sages paroles,
vais te révéler la sombre réalité. Ton sommeil depuis plusieurs lunes est tourmenté par des puissants songes et de terribles cauchemars. Alors que les forces obscures grandissent, une aura maléfique s'étend sur le monde, pervertissant nos rêves de sombres présages. Et toi aussi, jeune enfant, tu as ressenti cette infamie. Link, le temps est venu pour toi de mettre ton courage à l'épreuve. Je suis sous l'emprise d'une odieuse malédiction. Pour me libérer, j'ai besoin de toi, de ta vaillance et de ta sagesse. Auras-tu le courage d'entreprendre cette noble quête? Oui, bah pourquoi pas. Alors, entre brave Link, et toi aussi Navi. Navi l'a fait, tu aideras Link de ton mieux. Et toi Link, quand Navi hésitera de te parler, tu utilises O pour écouter ses conseils avisés. Il a enfin ouvert sa bouche. Oh. Du coup... Des bâtons. Regardez, quand par exemple... Non, puisqu'au final... Voilà. Et ça, s'il veut le mettre là. Attendez. Puisqu'au final... Ça, c'est ça. Et le dernier... Attends, ça c'est ça. Attends. Non. Puisque je suis sur Mélateur, comme vous pouvez le savoir. Donc ici, c'est ici. Donc ça... non. Putain, j'en ai marre. Je trouve pas le dernier, c'est quoi? Ok, c'est Select. Donc ouais, je changerai ça pour la prochaine fois, je pense. Parce que Select... Ok, alors select. Alors select, carré, non, triangle. Et... Ok, donc position, forêt coquerie, ok. Statue, on n'a encore rien. Et ça, c'est nous, ok. On va sauvegarder. Et on va se laisser là. Du coup... Devant l'arbre mojo quand même. Attends. Ok, des ennemis sur le côté. Du coup, on va ranger notre arbre. Du coup, j'espère que cet épisode, ce tout premier épisode sur Zelda vous a fait plaisir. Et on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode. Donc ça a remplacé Pokémon Révolution Online. Comme vous l'auriez vu. Attends, du coup... Alors, bâton... Attends, bâton, attends, je serre... Ok. Et du coup, on se dit à la prochaine. Allez, vous savez quoi? Chou chou.